Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça très bien. Cette fois-ci, on se retrouve pour l'épisode 2 de la campagne bis de Claire, hein, pour avoir à la vraie fin du jeu. D'un fois, on s'était arrêté, on avait exploré un peu le commissariat et tout, et j'avais aussi galéré un peu l'énigme sur le mur, j'ai passé beaucoup trop de temps. Alors, je suis allé chercher la solution sur internet pour savoir bah, c'était quoi le truc. Qu'est-ce que je. On va déposer plusieurs objets. Je pense que je vais déposer. Vais déposer lui. Peut-être déposer une nerf pour l'instant. Voilà, on a. Attendez, je veux juste voir précisément. Plutôt déposer lui, parce que lui c'est vrai pour l'instant il est pas très utile. Allez, on repart. On perd pas trop de temps. Je me cale pour éviter que la P... Je me cale bien pour éviter que la PS4 elle s'ouvre trop vite. Allez, on monte parce que je n'ai pas un laval, j'ai oublié de la prendre. Allez, les munitions. Alors, attendez. Je pense qu'il est mort. Alors. Voilà, on en profite. On va le garder. Ah, ici, on récupère la clé qui était dans le premier. Ok, donc cette pièce, elle est faite entièrement. On va le prendre. La planche, on va la laisser pour l'instant. Des munitions. Ça c'est le C4, mais il me manque les piles. Ok. On va sortir. Ah, la fameuse bibliothèque. Il y a lui qui dort. Alors je peux pas tirer ici. Il y a le zombie qui mord. Bon là on a le. Ça je vais le garder quand il y aura le tyran. Comme j'avais fait avec Léon, je m'en étais servi comme échappatoire parce que bah lui il a dû faire tout le tour. Il y a un couteau, ça c'est. Alors lui, il est vivant. Ça c'est fait. Mort pour de bon. Il a pas l'air de me cater en fait, les ont. Hop là! Eh ben, j'ai failli me faire avoir par ce chien. Ah oui, ça il me faut le truc, mais c'est bien plus tard.
Mais voilà, Ok, bon. Ils sont morts, c'est parfait. Ok, on récupère ça. Un livre rouge, je ne sais pas à quoi il sert ce livre rouge pour l'instant. Il y a une boîte. Récupérons cette boîte. Oui, je sais examiner. Des munitions, ça serait cool. Pellicule. Ça sera l'appareil photo, ça. Ah. Parce qu'au hall principal, il n'y a pas le casier. Le casier il se trouve à la chambre noire. Et ça me fait chier de genre de refaire. Voilà, genre faire ça, retourner en bas. Ah, à moins que. Non, j'ai une idée. Vous savez ce que je vais faire? Ça va être ça. Ça va être ça. Regarde. C'est vrai, je n'ai pas encore. On va utiliser la clé. Ce qu'on va faire, c'est on va passer par le truc, pas des gardiens, mais vous allez comprendre. Par contre, ils me disent que j'ai encore un truc en haut, pas débloqué. Ah oui, c'est la statue du lion. Donc, on va faire ça et ça me permettra d'avoir accès ici. Donc, et la pile, je sais plus où est-ce qu'elle est. Ok, eux normalement sont morts. Et lui aussi. Normalement, ils sont pas seuls. Yes! Ok. Voilà, c'est celui qui me ferve. Pour avoir accès ici à des choses. Ok, il y a plusieurs trucs. Ok, poudre noire, poudre blanc. Voilà. On va en profiter pour utiliser la pellicule. Ah, statue de lion. D'accord, en fait, c'était avec une pellicule. D'accord, ok. Bon, c'est. Voilà, c'est ce qui a marqué. Voilà. Alors, nous, ce qu'on va faire. Ça va être ça. On va déposer ça. On va se faire des munitions de poudre noire. Pas les combiner. Attendez, on va faire ça. Ah, oh. Mais les. Ah non, de 9 mm. Alors que moi c'est du P45. Oh putain, c'est la. Oh la galère. Pourquoi j'ai fait ça? Oh l'erreur de merde. Bah, vous savez ce que je vais faire, ça va être ça. Hein. Allez, on va prendre le flingue d'Albert. Ah, mais ça me fait de la. Ouais. Ah, mais non, je suis con. Je suis con. Voilà. Au moins, ça c'est des armes. C'est des flingues très puissants. On va foutre quand même une petite sauvegarde. Hein.
Parce qu'on ne sait jamais. Alors j'ai regardé un peu la différence entre les modes de difficulté. En attendant, on va en profiter pour un peu discuter. Ces modes de difficulté ne changent pas grand-chose. C'est vraiment qu'à partir du mode hardcore où ça devient vraiment... où vraiment ça change en fait. Donc de la poudre noire. Ok, putain, je me suis fait peur tout seul comme un cas. Ah oui. Donc là, c'était M, R, M, R, G. Voilà. M, R, G. Et pour ici, alors, si je me rappelle plus trop, c'est D. Ok, ce rapport. D, E. Et là, je sais plus c'était quoi. Ah! D-E-N ou N-D-E. D-E-N ou N-E. Je pense que ça va être Ned. Ouais, c'est ça. Chercheur. Alors. Ah. Ça diminue le temps de rechargement. Moi, c'est bien. Je vais juste déposer la poudre noire. Parce que je ne la connais pas personnellement. Alors j'ai l'impression que Claire se les gagne. Ouais, donc ça prend quand même pas mal de place tout ça. Fait quand même pas mal de vitil. Il n'y a rien pour allumer ici parce que d'habitude dans le jeu original c'est allumé. Alors je sais pas si vous voulez faire un petit thème horreur, vous connaissez un peu. Bah on va en profiter pour enlever lui et le poser, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors c'était couronne, flamme et oiseau. Yes, c'est ça. Comme ça, on va déposer à chaque fois et on va pas se faire chier. Voilà. De mieux en mieux. Alors c'était, oui, c'était pas en haut, on était passé, c'était la bibliothèque. Allez, on court, on court, on court. Va prendre le livre parce que je ne sais pas ce que fait ce livre. En forme de... Il y a une marque d'une... Ah oui, c'est pour la statue. Je m'en rappelle. Je veux juste savoir si... Non, cette porte ne s'ouvre pas. Au moins, on est décidé sur son sort. Et ici, je ne sais plus. Alors, c'est quoi? C'est... la licorne. Alors, la licorne, la licorne, la licorne. Alors, il y a une sorte de crochet à la fin. C'est jumeau, balance, crochet. Alors, jumeau, jumeau, jumeau. Balance. Crochet. Alors, je sais pas si c'est on dirait un style de serpent, je sais pas trop quoi. Ok, en haut, en fait, il manquait que... C'était ça le truc rouge. Donc on va aller déposer le médaillon. Voilà, ça c'est parfait. Et il nous restera que celui avec le C4 et la pile. Donc à ce moment-là, on aura un liqueur, mais on aura cette fameuse arme. Ah oui, j'avais tué une madame zombie si je m'en rappelais plus. Alors, je sais pas si on va tomber sur William Birkin. Et j'en ai plus besoin de la clé. Saloperie!
Toi, t'étais pas là, David. Bonsoir. Ok, petite zone safe quand même. Ok. Ah. Voilà. Et ça nous donne la fameuse baguette magique. Voilà, ça je m'en rappelle un peu. Bon, alors ces zombies ils ont un peu spawn à un endroit qui spawn pas d'habitude, hein, mais comme c'est différent de la campagne de base. Oh, c'est quoi ce putain de bruit que je viens d'entendre? Oh, c'est quoi ce bruit que je viens d'entendre? Ah! Aïe. Pourquoi j'ai pris... Ah putain, me fais pas peur comme ça, gros connard. Putain, je me dis merde, c'était quoi? Wesh. Ah, je respire 2 secondes. Bon bah, quoi tu sais. Ici on peut pas passer parce que c'est les flammes, mais après on bon quoi. Ah mon dieu, mais c'est... C'est coup de pute. Oh les gars. Alors on va redescendre. Putain, qu'est-ce que j'ai récupéré? J'ai récupéré ça, j'ai récupéré ce truc. Alors, ce qu'on va faire, ça va être ça. Ah, ouais, c'est par là-bas. On va utiliser la fameuse carte magnétique pour avoir ce genre de truc. Tut. Peut tirer des cartouches lents argent immédiat pour impulser de. D'accord. C'est toujours aussi génial. Bon, il est pas puissant ce flingue en fait. C'est un 9 mm. Alors, je sais pas c'est lequel qui est le plus puissant des deux. Alors. Yes. Qu'est-ce qu'on a? Balle du Stars. Clé USB. Oh. Ah, le bureau des Stars. Alors. Le bureau des Stars qui est en haut. Il faut que je passe par l'étage 2. Donc, ce que je dois faire, c'est déjà aller chercher cette putain de valve. Ouais, alors on a une plante verte là-bas. On a une grenade assourdissante. Yes, c'est ça. Ouais, c'est donc ça. La seule conférence, ça sert pas à grand-chose. Ici, je vais pas tout fouiller. Et après, on a l'étage B1. Donc... Ouais, et donc là il y a les archives, mais là je peux pas accéder parce qu'il me faut une clé. À part si je fais le tour et que je passe par ces archives là, mais qui n'a aucun intérêt. Ok, donc ça me donne, ouais, ça me donnera accès à l'armurerie. Donc alors, déjà, on va prendre du soin, on va prendre un truc de soin au cas où.
Ouais, incendie. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir ça? Je ne sais pas. Oh, je suis un peu pas trop d'avis dessus. D'accord, moi on peut les combiner, c'est déjà pas mal. Faut créer des grenades de poudre noire pour des trucs acides et ça pour des munitions de pistolet. Oui. Après, je vais voir un truc au niveau de ça. Faut voir s'il n'y a pas un truc. Ok, article rouge, morceau de papier. Alors peut-être on va retrouver un liqueur, hein, c'est possible, hein, là-haut. Attends, c'est ça, usage de poudre noire. Ok, munitions pour pistolet mitrailleur. Ouais, c'est assez, c'est un peu mal foutu pour Claire, je l'avoue. Donc, je peux pas tout garder, malheureusement. On va quand même... Je suis pas d'avis de tout garder, mais... On va faire ça au pire, tant pis. On va faire une petite sauvegarde quand même. Donc là, on va revenir, on va aller chercher. Ah non, je sais pourquoi. On va déposer ça. Attends. Tac, tac. Oh, je vais garder ça. Vous allez voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout récupérer là-bas en même temps. Alors. Ça. Merde. Ouais. Tant pis, ça sera jeté. Tant pis, tant pis. Comme ça, ce que je fais, c'est... Je vais le combiner avec de l'herbe rouge. Vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. C'est pas une idée de génie non plus, mais ça reste une bonne idée. Il y a vraiment du sang de partout, hein. Faut vraiment un jour nettoyer tout ça. Alors, cette idée de génie. Je vais déposer ça. Je prends la plante rouge. Je combine les deux. Ça me fait un peu plus de place. Je regarde ce qu'il me reste. Je vais prendre ça. Et créer des grenades. On va faire ça, ouais. Attends, d'accord. Comme ça, je monte un étage. Voilà. Voilà. Comme on va peut-être rencontrer un liqueur. Et que les liqueurs, on les aime pas trop. On va redescendre, chercher tout simplement des munitions de grenades incendiaires. Voilà. Attendez, non, on va en faire encore mieux que d'habitude. On va. Oh, je veux. On va déposer ça et ça.
Poudre noire, voilà. Allez, on combine les deux. Des grenades, ok. Attends. Ah. Ah, ok. Je ne suis pas intelligent. Une bière hautement corrosive, alors que les autres, c'est des grenades incendiaires. Eh ben. On va garder les grenades acides. On va garder les grenades acides, ils ont l'air plus efficaces. Pardon, excusez-moi. Non, je vais garder les grenades munitions. Là, j'en ai. J'ai pas beaucoup de munitions en vrai. Non, on va faire ça. Petite sauvegarde. Et on retourne au champ de bataille. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti, on grimpe au champ de bataille. Ouais, c'est bien ça, deuxième étage, que je dise je fasse pas de conneries. Ah, mais ça a enlevé tout seul. C'est pas un zombie. Je ne m'en prendrai pas. Et sinon, est-ce que j'ai tout pris? Ok. Maintenant. Bon, heureusement que je suis passé. Ok, au moins ça me dit. Ah, tu me pètes un peu les couilles. Je veux bien l'avouer que là, sur ce coup, encore des grenades. Ouais, en fait, ils m'ont tout donné ici. Alors, on a de l'herbe rouge. C'est assez chiant, on a vraiment que dalle. Un F. Vers le bureau, un F. Un F, un F, un F. Un F. Ah, ici, ouais. Et c'est quoi? C'est 9 gauche, droite 15, 7 gauche. Ah oui, d'accord. Bon, il y a une pile là-bas. On va combiner ça. Eh bien. Ah. C'est ça qu'on voulait. Ok, à mes copains, vous tenez le coup. Moi, je reviens tout juste d'un rencard. Ok. Gilles, si Claire essaie de contacter, dis-lui que je vais bien. Ah, il est parti en Europe. Qu'est-ce qu'elle va dire? Ça ne ressemble pas du tout à Chris. Ah bah oui. Ah. Claire. Léo. Merci Léo de m'avoir prévenu. Pas de mots. Je vais pas la récupérer, je vois pas l'intérêt, mais c'est pas grave. Je me demande si j'aurais laissé la clé USB, ça aurait fait quelque chose. Donc là, poste. Ok, ça serait plutôt pas mal. Donc,
J'ai le spray. Je voudrais juste récupérer la pile pour faire les explosifs. Mais qu'est-ce que je pourrais abandonner? Je peux pas abandonner ça, c'est vraiment trop précieux. Vous savez quoi? On va y retourner après. Oh putain, sa mère la pute! Oh les chiens, ils m'ont trahi! Oh sa mère! C'était pas prévu! Ah, ils ont tout pensé, ces connards! J'en suis en sécurité. C'est dégueulasse, j'ai pas la pile. En vrai, je me demande si je me serais pas approché de cet endroit, est-ce que je l'aurais pas évité l'aggro? Ah, c'était pas prévu. Attendez, je vais éternuer. Ça va arriver? Non, ça arrive pas. Oh putain, mais cette pute! Surtout, alors j'aime bien comment elle a fait, reste tout de suite. Tu sais, elle a senti de la menace, quoi, genre. Oh putain, ça va être la galère. Comment vais-je m'y prendre? Déposer ça. Munitions pour pistolet. Il me faut à tout prix les piles. Je peux avoir ça maintenant, c'est plutôt bien. Mais très facile à manipuler et capacité limitée. Le Grogan, ça me une chaise, porte son propre nom. Je vais déposer lui. Je peux combiner. Parce que en vrai, c'est pas très utile. Comme ça, moi je vais prendre lui. Alors j'espère que ça va être assez efficace. Ça, il faudrait que j'aille chercher cette. J'ai dit je crois. Ah ouais, mais moi je pensais, je m'attendais trop à un liqueur, moi, pas ça. Il fait des rondes. Attendez, je veux juste voir un truc, c'est les touches. Comment on se baisse? On peut pas se baisser. Putain, il monte en haut ce PD. Je sais pas si c'est où je suis. Je veux dire si. J'ai envie de tenter de courir, mais c'est risqué quand même. Ok. Ok, Martin. Ou José, je m'en fous.
Ah, j'ai le bac, j'ai mon cœur il bat très très vite. Ça c'est quoi? C'est en 2F, c'est quoi le code de 2F? J'en ai aucune idée. Ici je peux pas. Mais ça veut dire que ici c'est pas éteint. Ah, je comprends plus rien moi. Je sais pas s'il est en bas. Attends, déjà le papier. Qu'est-ce qu'ils me disent? Gauche, droite. Attends. 9 gauche, droite 15, gauche 7. Il s'est un peu perdu le pot. Alors, 9 gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez! Ah oui. Yes. Je sais pas où est-ce qu'il est. Je vois trop bien derrière cette porte. Je peux pas rentrer ici. Eh ben. Donc. Ah. La bibliothèque. Je peux passer. Je peux. Ce que je peux faire, c'est que. Oh, ça sert à rien de remonter ce cas-là. Parce que le truc, c'est où? Ah, il manque encore d'explorer des choses ici. C'est où, c'est où, c'est où? Ah non, troisième étage. Je peux passer par la bibliothèque. Mais je sais pas où est-ce qu'il était. Où est-ce qu'il était? Attendez, petite sauvegarde. On va essayer de récupérer le médaillon et de faire péter le truc. Alors, troisième étage. Je veux bien tenter le troisième étage, pourquoi? Parce que tout simplement, il y aura juste à faire ça, il n'y aura pas d'ennemis. Et moi, j'aurai juste à passer par là. Donc, je disais. On va passer par la bibliothèque.
C'est stressant. Ok, on va marcher comme ça tout le long. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est pour la Vierge? Je l'ai marqué, c'était... Alors, bélier. Je sais pas écrire. Alors, le dernier, c'était oiseau. Harpe, voilà. Allez. Ok. Alors lui, je crois, il s'est vraiment paumé. On va marcher, ça. Ah, c'est le zombie qui a pété la porte. Ouais, lui il est vraiment de l'autre côté, mais complètement paumé. Bon, je crois qu'on a géré le tyran. Mais ah putain, j'aurais pas pensé le voir de si tôt. Allez, on se barre de ce commissariat. Alors je l'ai dit clairement, je ne fais pas toute la fouille. Hein. De toute façon, on va peut-être y revenir. Pour peut-être, vous savez, le truc pour pouvoir s'échapper. Ah putain, oh mais hey, vous sentez ce moment de paix que je viens d'avoir? Je me demande si c'est pas le manoir Resident Evil 1. Ça me fait très penser à ça. Ah mais la paix paix que je reçois, putain, enfin, je me sens libre. Oh non, mais c'était violent. Et bah voilà. Bon, on se retrouve prochain épisode. Enfin, là, je vais me poser tranquille. Là, on a échappé au tyran, on a niqué du liqueur, tout ça tranquillou. On se retrouvera. Prochain épisode pour continuer la suite. Voilà. Laissez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait en activant les notifications. Bref. Voilà. Des gros bisous, à la prochaine et ciao. Et je sauvegarde aussi par la fin. Allez, bisous.